ans après le premier tunnelier de Lille et fort de son succès, FCB remporte auprès de la Shanghai Metro Corporation le plus gros contrat jamais passé en matière de tunnelier. Le 23 avril 1990, FCB entreprend la conception et la réalisation de 7 boucliers pour le métro de Shanghai. Ce défi, réaliser 7 tunneliers en un temps record de 20 mois, confirme FCB comme leader sur le marché mondial des boucliers à confinement de grand diamètre. Jennifer, première des 7 machines, verra le jour en 8 mois. Pour Jennifer, c'est toute la compétence du personnel et les moyens de fabrication les plus puissants des ateliers FCB qui ont été mobilisés. Au total, c'est près de 200 tonnes de tôle et profilé qu'il a fallu découper, cintrer et souder en y apportant le plus grand soin. À l'image de ce tour vertical de 15 mètres de diamètre, l'un des plus grands d'Europe, les moyens d'usinage furent à la mesure de l'importance du contrat, afin que Jennifer soit au rendez-vous. Après 10 000 heures de fabrication, tous les éléments sont prêts à être assemblés. Pendant les manœuvres de manutention et dans toutes les opérations d'assemblage qui ont suivi, plus de 50 mécaniciens, hydrauliciens et électriciens travaillèrent au coude à coude. Paris tenu, FCB affirme une fois de plus ses compétences d'organisateur d'un grand chantier. Un tunnelier comme celui-ci, arriver à le sortir, il ne faut pas croire que ça s'est fait tout seul. C'est avant tout l'œuvre d'une équipe complète, de nombreux collaborateurs, de techniciens,
de fournisseurs, de sous-traitants et bien sûr du client. Et je dirais, c'est un petit peu comme un accouchement. Ça fait 9 mois qu'on en entend parler, dans les ateliers, dans les bureaux, et on peut enfin en voir la tête. Un peu à la manière chinoise, 1000 ans de réussite, 1000 ans de prospérité à la coopération entre nos deux pays et plus particulièrement à la coopération entre la Chine et notre métropole, entre la Chine et FCB.